Salut les amis! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle semaine. Une semaine palpitante. On va tout expliquer. Tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors. Bon, les amis. Écoutez bien Sandrine, on va vous expliquer. Cette semaine, du côté de Gizmo, n'a pas été fructueuse. On n'a pas... Non, en fait, je vous explique. Dimanche, donc là, aujourd'hui, là, le jour que vous regardez la vidéo, on fait une brocante. Voilà. Donc du coup, on a tout retrié la maison, tout retrié Gizmo, tout retrié Dédé. Ouais, on a fait pour aller à la brocante dimanche. C'est vrai qu'on a fait un tri de malade. Voilà. Et c'est important dans la vie de nomade, parce que je vous rappelle, hein, là, nous, c'est, l'échéance, c'est au mois de juillet. Quoi qu'il arrive, on rend la maison au mois de juillet. Donc au mois de juillet, on habite dans Gizmo. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, on attend toujours le budget pour la plomberie. Donc après, ça va aller vite. Hein. Mais le truc, c'est que ça passe par la vie de nomade, c'est qu'il faut faire un tri. Voilà, fait un tri. Hein. Donc on a profité de la grande brocante qui arrive. Oui, voilà, ouais. Pour se dire, bon, bah, allez hop, on s'inscrit et on fait un tri. On fait un gros tri, mais ce qui dit tri dans les affaires personnelles et tout. Hein. Mmh. On a vraiment trié au maximum un truc tout con, hein, un truc tout con qu'on pense jamais, les amis. C'est nous, nos enfants, ils étaient à l'école, à la garderie et tout ça, machin. Ils ont fait des dessins, des conneries, des machins, tu sais, les trucs avec les colliers de pâtes, les boîtes de camembert. Bah, tout ça, au final, tu te dis. Donc, c'était très dur parce que c'était un gros tri cette semaine, donc on n'a rien filmé parce que, bon, voilà, c'était un peu. On voulait pas vous faire oui, voir ça. C'était voilà, puis c'était le tri de Dédé voilà. Et tout. On l'a déjà fait une première fois. Ouais, on l'a déjà fait une première fois. Mais pour revenir sur les trucs des gamins, en fait, c'est. Bah, tu sais pas. Tu sais, t'es là, tu te regardes, tu fais on jette pas, qu'est-ce qu'on fait, on garde, machin. On a demandé aux petits. Voilà, on a demandé aux petits, les petits ils ont dit non, on s'en fera sur la route, machin, enfin voilà, on vire. Bon, bah, du coup, ils nous ont aidé à prendre une décision, parce que c'est vrai que nous, en tant que parents, c'est chiant, quoi, t'as pas envie de virer tout ça. Les colliers en pote qu'ils ont fait quand ils avaient 2-3 ans, mais bon, j'ai envie de te dire, les voilà. Les décorations de Noël. Ouais, voilà, les décorations de Noël. On en fera dans Gizmo des décorations. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, émotionnellement, c'est ça, ouais, mmh, c'est ça. Ça a été un tri assez, assez compliqué, parce que voilà, il y a vraiment tout. La vaisselle, par exemple, on a trié toute notre vaisselle. La vaisselle, dans une maison, t'en as des monces et des monces et des monces. Puis là, bah, tu te dis, mais si on prend tout ça, ça rentrera jamais dans Gizmo, quoi. Donc, bah, on a fait par rapport à nos placards, on a trié, machin, nani, nana. Donc là, la brocante, c'est pas une brocante, c'est un vide-maison, en fait. On croise les doigts. Hein, ouais, on croise les doigts. Ouais, au niveau de la, un peu de pluie. Au niveau de la météo, ouais, c'est vrai que. Pour changer. Ouais, vraiment, mais j'espère que ça va bien se passer parce que là, sincèrement. Parce que là, on a une belle semaine. Si on se vend pas, si on vend pas de trucs à la brocante, je sais même pas ce qu'on va en foutre. Hein, parce que là, il y a encore des trucs, mais laisse tomber, quoi. Pareil, on a fait un tri aussi dans les outils. Alors, les outils à prendre sur la route. Donc, je me suis inspiré un peu de vidéos et puis un peu, voilà, bah, comme d'hab, hein, toujours les mêmes. Hein, les vadrouilleurs, les Nesta, tout ça, machin. Nesta, d'ailleurs, quand ils sont pris, quand ils sont partis aux États-Unis, là ils sont aux États-Unis, on a bien aimé les vidéos, justement, de préparatifs, c'est où ils préparent leur sac, leur machin, les valises, ils trient un peu. C'est pareil, c'est toujours le tri, en fait. Il y a toujours une étape, quand tu vas prendre la route, quand tu veux devenir nomade, il y a toujours une étape où bah, il faut que tu te poses des bonnes questions, quoi. Voilà, c'est le tri. Donc là, cette semaine, c'était ça. Et donc là, les outils, c'est bon. On a pris. Sans rien d'être dit que j'en ai pris beaucoup. Mais bon. On ne sait pas trop. Donc on verra bien. On fera un tri la première année. Tout ce qu'on ne s'est pas servi, bah, on fera une brocante. Oui, et puis voilà. Ouais. Voilà, c'est pas grave. Hein. On fera un truc, un vide-grenier, une connerie, un machin. Enfin voilà quoi. Mais je pense qu'on a emmené le nécessaire en outils. Je pense qu'on a amené le nécessaire en vie, en gizmo, quoi. Enfin voilà quoi. Hein. Voilà. Et du coup. On voulait vous expliquer aussi autre chose par le biais de cette vidéo du dimanche. Attention, c'est solennel là. Non, du coup. Ah, du coup, aspect bien, attends, bouge pas, sors de nos bras, alors vas-y, explique-nous. Justement, on voulait profiter de cette vidéo pour faire une préparation pour le prochain live, le premier live. Premier live de la chaîne. Qui viendra d'ici peu. Et donc du coup, dans cette vidéo, ce qu'on voulait vous proposer, c'est qu'en commentaire, vous posez soit des questions, soit vous proposez des thèmes que vous voulez aborder dans le live. Voilà. Et voilà, donc tout dans cette vidéo.
tout en commentaire, tout regroupé dans cette vidéo. Voilà, si vous pouvez, voilà, c'est ce qu'a dit Sandrine, si vous pouvez regrouper pour que nous, voilà, si vous voulez parler plus sur l'aménagement, si vous voulez parler plus sur la vie nomade, où on en est dans les papiers, comment ça va se passer pour l'école des enfants, enfin voilà, on vous expliquera tout dans le live. Donc voilà, ça va vraiment être un live où, si vous avez besoin de savoir des choses, si vous voulez en savoir plus sur nous, on sera en simultané, donc profitez-en. Voilà. Bon, profitez-en. Du coup, je vous répondrai pas en commentaire comme je fais d'habitude. Ouais, voilà. Du coup, les questions resteront en suspens jusqu'au live. Mais, mais bon, après. C'est intéressant. Bah oui, carrément. De savoir de quoi carrément. Vous voulez parler. Voilà, c'est ça. Quel sujet aborder. Voilà, parce que nous, si on fait ça, si on fait un live, c'est pour vous, les amis. En commentaire, voilà. Vous pouvez aussi suggérer le jour et l'heure. Oui, aussi. Par exemple, bon, là, on avait dit 1300. Bon, là, on stagne un petit peu. On est un peu, on est un peu dans le... Il nous en reste 10. Voilà, il nous en reste 10 à peu près, en moyenne. Donc bon, on va pas attendre non plus les 1300, parce que là, en ce moment, c'est peut-être un moment creux sur YouTube. Voilà, si on s'est dit, voilà, on va le faire d'ici une semaine ou deux. Proposez-nous, je sais pas, ouais, un jour qui vous conviendrait, une heure, voilà, les thèmes, tout ça. Enfin, allez-y, commentez là-dessus et dites-nous ce que vous voulez aborder avec nous. Et on sera en direct, hein, donc ouais, profitez-en. Voilà. Et puis... Oui, d'ici, je pense, bien 2 semaines quand même minimum. Ouais, un petit 2 semaines, après, ouais. Faut qu'on prépare, faut qu'on regarde le réseau, parce qu'on aimerait bien le faire dans Gizmo. On aimerait bien le faire dans Gizmo. Si c'est pour le faire à la maison, bah, ça sert à rien, ouais, c'est clair. Donc faut qu'on regarde le réseau, faut qu'on regarde... Puis nous, ça va nous faire une première expérience aussi. D'ici 2 semaines minimum, je pense, pas avant 2 semaines. Ouais, je pense, ouais. Donc voilà. Donc bon, là, petite vidéo en face cam, hein, cette semaine, voilà, on n'a pas fait grand-chose dans Gizmo, donc on ne voulait pas filmer non plus des trucs trop barbatifs, voilà, donc là, on n'a même pas remis les sièges ni rien, on a remis que ce côté-là et la table. Donc, ce voilà. Que vous avez vu dimanche dernier. Oui, voilà, en gros, voilà, cette semaine... Non, Gizmo, on n'a pas... Non, cette semaine, ça a été le tri de Bébert, de Dédé, des outils, les machins... on a commencé à réfléchir un peu... Enfin, moi, j'ai commencé à réfléchir un peu à la plomberie. C'est quoi? Je sais pas, c'est un appareil. Ah, d'accord, bon. Donc j'ai commencé à réfléchir un peu à la plomberie, donc je sais sur quoi partir, je sais comment faire, donc dès que le budget va arriver, dès qu'on va commander, bon, il va y avoir des vidéos, bah, du coup, mon copain, un peu technique sur la plomberie, quoi. Et ça va le faire, ça va le faire. Alors, voilà, je rappelle, on passe en cuve, on passe chez Carflo, donc bah, déjà, il y en a pour 1000 € de cuve, hein, voilà, je prends une cuve 460 litres d'eau propre et 250 litres d'eau grise. Donc déjà, avec les trous, machin, pré-percés, avec le bouchon à évent, tout ça, machin. Mais j'ai d'autres systèmes que je veux refaire en plus et tout. Enfin voilà, vous verrez tout ça dans les vidéos de plomberie. Mais ça va être, je pense que ça va être intéressant, ça. Ouais. Donc voilà, les amis, où on en est cette semaine. On voulait faire une petite vidéo, voilà, pour vous tenir au courant et vous dire, voilà, pas faire non plus du contenu. Juste pour faire du contenu, voilà, on fait une petite vidéo, on vous la met, voilà. Et puis on vous dit où on en est, on vous dit ce qu'on a fait, et puis, mais ce qu'on comptait vraiment, c'est sur vous, là. Donc là, en fait, c'est la préparation du live, excuse-moi, je tape sur la table, et voilà, c'est pour le live, les amis. Oui, c'est ça, voilà. Préparez le live. Surtout pour le live, préparez le live, dites-nous... Pour qu'il soit plus intéressant voilà. Pour vous. Bah, c'est ça, c'est pas juste un live où on... Voilà, on va être là devant la caméra, voilà, nous ce qu'on veut c'est vraiment un live, c'est échanger avec vous et savoir ce que vous attendez, ce que vous voulez savoir, ce que, enfin voilà, vraiment, là on sera en direct, donc ça va être super important quoi. Qu'on voilà. Puisse le préparer. Ouais, voilà, qu'on puisse se préparer un minimum. Après sur la route, on fera sûrement des lives... non préparés. Surprise, comme ça. Mais ouais, là, je pense, c'est ouais. Le premier voilà. Live. Là hein, c'est le premier live, donc voilà, on voudrait savoir sur quoi partir. Voilà, sur quoi partir. Après, nous, on sait, hein, on va le faire naturel. Oui, hein, venir, on cache rien. Ça, comme ça vient, comme d'habitude, mais voilà. On cache rien, mais voilà, je pense que voilà, pour vous, ça serait mieux déjà que vous nous dites, bah tiens, nous, on aimerait bien savoir ça, nous, on aimerait bien voir ci, on aimerait, tiens, bah tiens, ça, vous avez fait comment, machin. Voilà, qu'on ait quand même une base pour savoir où on part. Voilà. Et puis, je me répète, le live, c'est pour vous, les amis. Hein. Il faut préciser aussi dans les commentaires combien de fois. Sébastien a le droit de dire voilà. Sinon, il aura un gage. Ouais. Tout nu autour de Gizmo. Oh, arrête. C'est pas con, ça. Quoique, j'ai envie de te dire, il n'y a personne. Ouais. Hein. Tu serais chiche, en plus. Bah, il n'y a personne, si, derrière la télé, il y a des gens. Oui, mais je peux flouter, c'est moi qui fais les montages. Ah oui, bah heureusement. Ouais. Ah oui, là, il n'y aura personne pour te voir en vrai. Oui. Et puis moi, j'ai une annonce aussi à vous faire, les amis. Alors, c'est dans un petit peu de temps, mais on sera présent aussi, on peut le dire maintenant. Ah oui. Ouais, voilà. Ouais, on peut le dire, ouais. Alors,
On se rappelle avec Gizmo ou pas. Voilà. On pense pas avec Gizmo, On pense pas avec Gizmo, ouais. On croise les doigts, on sait jamais si ça peut aller vite quand même. Ah, j'ai une crampe là. Ah, j'ai une crampe, sa grand-mère. Ah, j'ai une crampe. Ah, ça va le faire. C'est bon. Non, c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller. Si c'est ça le live, les amis, ça va déglinguer, je te le dis. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Alors, on disait, voilà, donc c'est dans un petit peu de temps, à partir du 8 mai, on sera au rassemblement Festibus, si je me trompe pas, s'il a pas changé de nom, Pat, voilà, avec Carapate, à côté de. Alors, bon, je me souviens plus trop là. Chanteuse. C'est sûr? Ouais, chanteuse. Chanteuse dans un camping, c'est à côté de Lyon. Donc nous, on sera présents là-bas et apparemment, il y aura du monde à foison. Voilà. Et puis, voilà. On va essayer d'être là avec Gizmo. Ouais, on va essayer, mais sincèrement, j'y pense pas trop. Parce que, ouais, voilà, parce que sinon, après, on prendra le nécessaire de camping. Oui, bah ouais, bah de toute façon, ouais, après nous, on a l'habitude, hein, la tente, la bagnole. Maintenant, on a une station Alpower, donc on sera autonome en électricité. Voilà, donc ouais, voilà, non, mais après, je veux dire, nous, ça nous fait pas peur, hein, la tente, la bagnole, et puis vas-y, roule. C'est pas grave. En plus, apparemment, c'est dans un camping, donc il y aura les sanitaires, les douches, machin, tout ça. Puis même s'il faut prendre une douche, tu sais, avec une douche quechua à l'extérieur dehors, on l'a déjà fait, c'est pas un problème. Bah voilà, donc on sera présent le 8 mai à côté de Lyon, donc à Chanteuse. À Chanteuse. À Chanteuse. Mmh. Voilà, au rassemblement Festibus de Carapate, les amis. Donc voilà, organisé par Carapate. Enfin, Carapate et peut-être d'autres personnes, mais moi ce que j'ai retenu c'est Carapate. Hein, mon ami, c'est toi qui a fait Festibus, c'est toi. Voilà. Voilà. Donc avec plaisir, et nous on a hâte de y aller aussi, tous les rencontrer, et puis peut-être en rencontrer certains d'entre vous aussi. Voilà, ça sera notre première sortie en tant que, que Revenge by the Road. Hein, voilà. Donc ouais, ça va être important aussi, ça va être chouette. Ça va être chouette. Mmh. Donc le 8 mai, les amis, je le rappelle. Donc avec Gizmo. C'est la question, on va revenir, c'est sûr. Gizmo, ouais, Gizmo, bah, ça dépend. Ça une dépend. Fois qu'on a le budget, ouais, voilà. Dès que tu vas haut, après, voilà, il va être prêt à passer à l'Adréal. Ouais, voilà. Ça dépend comment ça va se passer, mais il y a tellement de boulot. Il y a tellement de boulot déjà pour passer l'Adréal. Ouais, c'est ça. C'est pas simplement tu prends tes cuves, tu les poses et tu passes l'Adréal. Il y a les pesées, il y a les machins, il y a tout le dossier à monter. Il y a l'attente. Il y a l'attente à l'Adréal aussi pour avoir le rendez-vous et tout. À mon avis, ça va être tendu. Ça va être tendu. Puis après, c'est pareil, hein. Pour l'instant, on a fait l'aménagement, c'est bien, on continue, il reste encore pas mal de boulot. Mais ce qui me fait le plus chier, en fait, c'est que même s'il est prêt, j'aurais pas le temps de faire tout ce qui est grosse révision mécanique, gros check-up. Et je veux pas prendre la route comme ça, on sait jamais, hein, voilà, on sait jamais. Gizmo, avec tout ce qu'on a investi, on a pas envie de prendre la route comme ça, puis se dire, merde, putain, il chauffe, machin, enfin, tu vois. Ouais, il faut qu'on ait le temps de faire un check-up aussi. Voilà, je préfère partir une fois qu'il est terminé, une fois que le check-up est fait. Ça va être chaud pour lui, mais quand même. Ouais, je pense que ça va être chaud. On va essayer, les amis, mais sincèrement, c'est pas sûr. Allez, on va dire que c'est... Il y a 80% de chance, même 90% de chance qu'on n'y aille pas avec Gizmo. Mais bon, après, on aura tout le temps de le faire voir sur la route, on aura tout le temps d'en profiter après, et puis voilà, là, même si on part en mode camping, puis ça peut être sympa avec les gamins aussi. Oui, c'est ça, camping. Là, c'est en mode camping, c'est surtout pour rencontrer tout le monde. Ouais, voilà, ouais, carrément. Et puis bon, en parlant de ça, encore une petite info, si on part en mode camping, alors les amis, heureusement qu'ils sont là, hein. Les très bons amis, heureusement qu'ils sont là. Parce que moi, je vous rappelle, on a quasiment tout revendu pour Gizmo. Hein, donc, on a plus de tente, on a plus rien. Puis, on a été voir un couple d'amis. Donc, mon petit poulain et ma petite topine, si vous regardez la vidéo, on vous aime très fort. Je t'ai gravé dans la peau. Voilà, carrément. Donc, un grand merci à vous parce que, ils nous prêtent leur matériel de camping. On a vu ça avec eux pour descendre, justement. Donc, voilà, un gros bisou, un gros merci et on vous aime très fort. Donc, voilà, les amis. Quoi dire de plus, hein. Je vais laisser Sandrine parler, parce que je parle depuis tout à l'heure. Allez, à toi, action. Bah écoutez, voilà, tout est dit. Hein, voilà. Non, bah voilà, donc... T'as vu, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de pas les dire, les voilà, fais-moi la manine. Hein. Non, donc du coup, voilà. Donc... Vous avez vu, c'est pas facile. Bah ouais, bah c'est pas facile donc, de les enlever. Coup... Du coup, hein, du coup, on tenait à faire quand même cette petite vidéo du dimanche pour vous faire le petit coucou hebdomadaire. Ah la vache. Et puis pour vous expliquer tout ça. Ah, je t'aime, tu me fais trop rire. Moi aussi, chérie. voilà. Donc. Non, j'ai pas dit voilà, j'ai dit c'est moi. Mais c'est vrai, t'as dit voilà.
c'est incroyable. Du coup, on vous laisse. Sur cette petite vidéo. Je peux plus, je crie. Un fou rire en direct. Ah, c'est trop bon ça. Seigneur, mon copain. Le live, comment ça va être? Ah bah le live, ça va déchirer, moi, oh, je te le dis. Arrête. Oh, ça va être quelque chose. Ah. Bon, du coup, voilà. On vous laisse. Voilà. Et à la semaine prochaine. Allez, bisous les amis, à la semaine prochaine. Bye bye. Gros bisous, à plus tard. Tchuss. Tchuss.